Bonjour, je suis Arnaud Vacheron, éditeur du site machine-outils.com. Pour ne manquer aucune de nos vidéos de présentation de machines, outillage et logiciels, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Je suis avec Franco Cattaneo d'Elbow Controlling Iken. Franco, pouvez-vous nous faire une démonstration de l'utilisation du banc de pré-réglage E46BP? Le banc de pré-réglage Elbow Controlling, il a beaucoup de nouveautés parce que au moment nous avons rénové complètement toute la gamme. Ça veut dire qu'ils sont changés mécaniquement et surtout la simplicité que nous avons mis à l'intérieur de le soft, c'est fantastique. C'est comme si vous utilisez un téléphone, je peux dire. Parce que tout le monde il est habitué à faire comme ça. Et de l'autre côté, pareil, quand vous pouvez voir le trois points comme ça, c'est simple d'affaire. Les choses. Première chose, sur le banc de pré-réglage, c'est possible à régler tous les outils que vous avez dans votre usine, tournage ou fraisage. C'est possible de mémoriser plusieurs machines différentes, ici vous pouvez avoir des exemples, et vous pouvez avoir toutes les tables d'outils que vous voulez. Cette banque, expressément qu'elle s'appelle 46BP, c'est une banque qui est à la moitié dans le petit gamme et la grande gamme de le CNC. C'est une banque qui, si vous arrivez la première fois et vous dites que vous ajoutez votre outil, et c'est l'outil numéro 4, vous mémorisez votre valeur, vous arrêtez sur la machine, et la prochaine fois que vous arrivez ici, c'est déjà complètement programmé et c'est capable de faire tourner l'outil, contrôler l'outil et aller sans avoir besoin d'un technicien qui est capable de faire la programmation d'un CNC, des choses comme ça. Dans le temps que le banc il va mesurer l'outil, je vais vous expliquer que tous les bancs Elbow Controlling sont en granit. C'est le seul matériel qu'il peut travailler dans l'usine. Il n'y a pas de variation de dimension à la variation de la température. Regardez. Il m'a donné un rapport global et général de comment ils sont tous les outils et de comment ils sont dans la situation. Ici, vous pouvez voir qu'il y a trois outils qui sont plus ou moins la même chose, une qui est différente. Si je touche ça, le banc il va directement sur l'outil et je peux regarder la condition de les outils. C'est comme ça et comme ça. Regardez que cet outil s'est cassé, ok? Et les autres, ils sont tout bons. Si je fais comme ça, il va sur le reste et je peux contrôler tous les outils et avoir la situation générale de mon outil. Comme ça, je peux mesurer tous les outils que je veux et surtout, je peux aller à transmettre les valeurs directement à la commande numérique. Elbow Controlling, c'est le seul constructeur de banque de pré-réglage qu'il donne directement, sans payer rien, sans ajouter rien, tous les passeports pour toutes les commandes numériques qui sont sur le marché. Il y a rien à faire, il s'est tout compris. Et c'est le seul constructeur qui fait la mise à jour de toute son banque gratuitement sur Internet pour toute la vie de votre banque. Il y a aussi des autres possibilités qu'ils sont encore plus nouveaux, parce que si vous arrivez ici et vous ne reconnaissez pas votre outil, la chose plus simple c'est de scanner votre outil comme ça, oh pardon, et avec un data matrix, le système il va directement à ouvrir la page exactement de l'outil. Et clairement, si je fais la même chose que je fais avant, la mesure automatique. Oh, pardon. Ici, j'ai introduit, vous pouvez voir que j'ai introduit les valeurs théoriques et les tolérances dimensionnelles de mon outil. Alors, le report que le système il donne, ce n'est pas seulement un report de la mesure de la dimension, mais c'est un report qu'il va considérer aussi si mon outil il est dans la tolérance ou à l'extérieur de la tolérance. D'accord?
Le même système Data Matrix, il peut être utilisé pour communiquer sur toutes les valeurs directement à la machine ou pour faire la traçabilité de tout mon outil dans mon usine. Ça veut dire qu'avec une banque de pré-réglage comme ça et avec une Data Matrix comme ça, vous êtes capable de savoir dans tout le moment où ils sont votre outil dans votre usine. Et ça, c'est vraiment le futur de la banque de pré-réglage. Retrouvez nos actualités quotidiennes sur les machines-outils, logiciels, outillages et services sur le site internet du répertoire de la machine-outil, machine-outil.com, tout au singulier, et n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn.